C'est plus beau que les films qui sont sur Netflix, quoi. Benzaï Live, les amis, enfin on peut toucher à cette pile de jeux PS4 que j'ai mis. Bon, je l'ai déjà perdu. Mais bref, on joue à Berserk and the Band of the Hawk. Un jeu, fait par Koei Tecmo, donc c'est-à-dire en fait c'est Dynasty Warrior Berserk. C'est pas un vrai jeu Berserk. C'est ça mon problème avec tous les Musso, c'est que. Finalement, la musique en plus est très mélancolique. C'est que finalement, c'est avant tout un Musso et ensuite un Berserk. C'est pas un jeu Berserk pensé avec pourquoi Berserk machin bidule. Mais voilà, ce serait pas gentil de ma part de dire que ce n'est pas cohérent de faire un Musso Berserk, sachant que Musso Gundam déjà c'était très bien. Et que dans Berserk, eh bien, le personnage principal a tendance à tuer des tas et des tas de gens. Sachant que là, j'ai bon, alors, ma figurine de Guts s'est un petit peu cassé la gueule. Mais là, par exemple, je peux vous montrer un truc assez sympathique. Voilà, il est assez immense. Les yeux s'allument si tu mets des piles dedans. Il est vraiment mouse costaud. C'est mon petit skeleton à moi. Et le problème, c'est que beaucoup de figurines ont tendance à se suicider. C'est un petit peu le Japon ici, au niveau des figurines Benzaï. C'est-à-dire que mon Michelangelo aussi a essayé de sauter du haut de son étagère. Et c'est vrai que l'animé. Alors, ce qui est bien, c'est que sur. Par contre, l'avantage, c'est que sur Netflix, il y a les films qui sont une bonne introduction à Berserk. Et derrière, ça peut donner envie de relire les mangas. Ou te saucer pour ce qui peut se passer à la suite, sachant que techniquement c'était une introduction à la nouvelle série qui est de la merde en boîte et qui est produite avec le cul. Mais l'ancienne série, elle a une BO absolument magnifique, elle est sur Netflix, et encore une fois c'est une introduction à ce qu'est vraiment Berserk, quoi. Et c'est dommage, mais après Berserk fait partie de ces trucs assez inadaptables. Surtout que tu vois, quand j'estime que Ken le survivant a jamais été bien adapté vraiment. C'est pareil, Ken, j'ai pas du tout les mêmes sensations quand je regarde un anime Ken que quand je lis le manga. Ce qui n'est pas le cas par contre dans Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, je lis le manga, je regarde les animés, j'ai l'impression de regarder la même chose. Naruto, c'est même l'inverse. Le manga, je trouve tellement vilain et mal découpé, et les combats mal mis en scène, que du coup je préfère 100 fois regarder l'animé même si ça prend 1000 ans de plus. Et c'est pareil aussi pour l'attaque des titans. Ça reste des goûts personnels, hein. Mais c'est vrai que Berserk est encore à ce jour l'un de mes mangas préférés. Des fois c'est Ken, des fois c'est Berserk, des fois c'est Berserk, des fois c'est Ken, etc. On va jouer en normal. Ils vont montrer absolument tout ce qui est possible de montrer. La caméra, on va la laisser telle qu'elle est. Le tutoriel, on va peut-être... J'ai pas très envie de faire le tutoriel comme ça. On va y jouer quand même... On va y jouer un petit peu au feeling, hein. Que bon, on va pas non plus y passer 3 heures. Le jeu, je l'ai eu pour vraiment pas cher. Je l'ai eu à moins 75% de 30 euros. Donc ça fait le jeu à 10 balles.
C'est pas cher du tout hein, pour des jeux PlayStation PS4 hein. Alors que à une époque je me serais damné pour ne serait-ce que genre un jeu Berserk me regarde tu vois. Alors je possède le jeu de Dreamcast qui est plus facile à trouver en Angleterre qu'en France bien sûr et mon frère avait eh bien regardez le Hardcorner Berserk hein, il est vieux mais voilà on parle du Berserk PS2 qui était vraiment vraiment pas mal hein. Alors que là, par contre, l'avantage, c'est que les mecs, ils savent faire des graphismes. Alors voilà, de toute façon, il y a le tutoriel. Donc, normal, charge attaque, quick step, garde. Ok. Mouvement, mouvement. Et tu peux straffer en restant appuyé sur L. Ah, L1, pardon. Alors le jeu est à 60 FPS, mais là je stream à 30. Hein. Le sacrifice. Bon, les voix sont en anglais, c'est cool. Alors, les attaques normales, elles font ça, ok, très bien. Ce qui est fou, c'est qu'en fait je me gâche mon plaisir, sachant que c'est un musso, alors que je vendrais ma mère et le jeu est trop, le son du jeu est beaucoup trop fort. Mais bon voilà, j'ai été déçu sur plus d'un musso, notamment le Zelda, qui m'a déplu, et pourtant c'était l'un des plus soignés, le Fire Emblem, j'en parle même pas. D'ailleurs, est-ce que j'y ai joué seulement? En fait, je sais plus s'il m'a déçu ou si je l'ai oublié exprès. Je ne sais plus. Si j'ai juste refusé d'y jouer. Et je l'ai en plus, le pire. Bon, par contre, les décors sont plutôt pas mal adaptés, ça c'est bien. D'ailleurs, on pourrait regarder la vidéo de Alt236, hein, notamment sur Giger, qui est une très grosse inspiration de Berserk. Et c'est très très cool. Moi qui suis allé au musée Giger, hein, c'est l'une des plus grandes expériences artistiques de ma vie. Et le modèle de Guts, c'est vraiment pas mal du tout. Est-ce que je peux crâner encore un petit peu? Le truc, c'est que Figurine Tri-Zero a essayé de se suicider. Donc, on est sur... Et sur quelque chose d'un peu bizarre, mais voilà, on est sur du pas mal. Hein. Il est bien grand. Hein. Il fait la taille qu'il faut. Hein. Et en plus, le truc de fou, c'est que ses bras, en fait, c'est des articulations qu'il faut chauffer parce qu'elles sont, ils sont latex. Oh, putain, et du coup, il n'y a pas les articulations apparentes. Elles sont sous une couche de latex. Incroyable, Jamy. Oh là là, il va se casser la gueule. Non mais c'est un truc de malade mental à quel point le socle de cette figurine est à chier. Bref. Bref. J'ai pas pu faire ce que je voulais cette semaine parce que j'étais très très malade. Du coup, on a le quick step, d'accord. Des petits cochons volants. Alors techniquement, hein, je vais chipoter, mais techniquement pendant le sabbat, il se bat contre des vrais apôtres et beaucoup moins de menus fretins. Mais bon, faut bien que le jeu ce soit un jeu quoi. Donc là, carré carré, rond 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 et triangle. J'ai pas testé. D'accord, ça c'est le triangle de base. Ah oui d'accord. Ah, c'est juste pour ça, c'est une attaque chargée. Enfin, quand ils disent attaque chargée, c'est vraiment l'attaque charge de Pikachu en fait. Alors, le seul truc déjà que je peux dire, c'est que c'est quand même plus satisfaisant de mâcher carré que sur Ken le survivant où ils avaient totalement ralenti le gameplay de Ken, on sait pas pourquoi, et du coup on s'emmerdait sacrément. Frenzy move, hein. Quand tu es frenzy, tu peux devenir berserk, berserker, déjanté. My love for you is like a truck. In frenzy mode, your combat abilities are strengthened and you do more damage while not losing any vitality. Attention. 1 for every frenzer level you gain.
Your compatibility in frenzy are improved depending on your characters. It can be increased to 5 times. Merci Ben Léo. N'oublie pas de nous donner ton adresse sur Insta pour le jeu des guignols. Ah oui. Oui, oui, ma petite poule. Bon, attention, Berserker! My love for you is like a truck berserker. Would you like to make it fuck berserker? Si vous avez vu Clerks, vous avez peut-être la référence. Si vous ne l'avez pas, je suis triste pour vous. Clerks, c'est un excellent film. Lock on, cancels lock on. C'est un rang. C'est un rang. Merci, Légion. Ah oui, d'accord. Donc, tu peux appuyer sur le stick pour locker, etc. à la Dark Souls. C'est très bien. Voilà, lui, il est plus chiant. Alors finalement, tu vois, parce que en fait, comme je compte jouer à d'autres jeux PS4, je me suis dit, ouais, on va essayer de profiter des détails, donc je vais streamer en 1080p. Et au final, on stream. Au final, j'aurais aimé vous streamer ça à la vraie vitesse. Oh, putain, c'est pas l'aise. Merci Ben Léo. Alors je trouvais que on. J'attends le film Alita. Ouais, avec impatience depuis qu'ils ont mis un trailer avec du motorball dedans. Je leur donne le bénéfice du doute à ce qui est possible de faire. Je ne vais pas partir perdant. Par contre, putain, ces espèces de bananes là, qu'est-ce que c'est que ça quoi? C'est des présentoirs chez Carrefour. Qu'est-ce qui se passe? Des fruits et légumes. Et ça arrive à quoi ça? Oh! Casca. Mais Casca a déjà les cheveux longs et moi je suis déjà en berserker, du coup qu'est-ce que je fous là? Est-ce que c'est un rêve? Donc si vous ne connaissez pas Berserk, qu'est-ce que vous faites encore ici? Vraiment rendez-vous service. Death Blow. Enemy whom you defeat while in frenzy, release lost souls, collecting these souls will fill up your Death Blow gauge. When the Death Blow gauge is full, you will be able to use Death Blow attack. L'oblitération a lieu lors du mode Frenzy. Et est représentée en détruisant des ennemis en deux ou en les envoyant valdinguer. Si vous oblitérez un ennemi, beaucoup de Lost Souls seront ainsi dispersés et qui vous rempliront votre Death Blow jauge encore plus vite. Donc là, je suis en Frenzy level 2. Et du coup, tu peux rappuyer sur rond pour faire le fameux Death Blow. Et c'est parti. Vous avez déjà vu ça dans tous les jeux de la série. Voilà, et c'était ça le fameux Death Blow. Et on a déjà tué 100 monstres en ayant l'impression de jouer à un jeu de rythme. Ah, il y a déjà d'autres boss. Donc là, ça commence à être intéressant. Si t'as pas trop, ça va, c'est pas frustrant pour l'instant, mais bon, on est d'accord qu'on est que au début. Imaginez maintenant en easy comme on se ferait chier. Mais je veux les taper. Ah, au secours! Il y a des fesses! Moi, ce que j'aimais bien, c'est que le jeu Dreamcast, c'était sa propre histoire. Qui était cohérente avec l'univers et surtout avec ses propres musiques de Sutsumu Hirasawa. Qui sont parmi les plus. Enfin, qui est d'ailleurs, c'est un génie le gars, mais. La BO
Donc le gars qui a fait notamment la BO, et apparemment c'est à la demande de Kentaro Miura lui-même, la BO de la série qui est sur Netflix, là, de 97, c'est un bijou. Mouah. Et du coup, il a fait la musique du jeu Dreamcast, qui est aussi très très stylé, et aussi une musique pour le jeu PS2 qui est excellente. Et je sais pas s'il en a fait sur celle-ci. Mais là, c'est carrément juste des extraits de du nouveau film, non? Mais voilà, mais juste pour vous donner, dans un âge de chaos, ça c'est juste des extraits du nouveau film. C'est exactement ce que je les ai vus il y a pas longtemps. Et qu'est-ce que je veux dire? J'espère qu'on va pas avoir des problèmes de copyright déjà. Ce serait vraiment pourri. Tout ce que je veux dire, c'est que même si vous regardez les trois films ou la série, parce qu'en fait elle couvre le même pan de l'histoire, vous ne serez qu'au volume 13 sur 40. Ça fait, c'est vraiment, c'est genre, c'est comme si vous arrêtiez Dragon Ball avant Dragon Ball Z. Enfin, tu vois, c'est vraiment, on n'y est pas, quoi. Vraiment, genre, c'est juste pour vous. Les séries ne sont qu'un amuse-bouche, en fait. Parce que moi, j'adore vraiment ce qui est après. Alors, Player Info, Elite Info, et ben on. Alors, Capture Enemy Castle. Du coup, on va revenir dans le temps, comme dans le manga, hein, qui n'est qu'un immense flashback. Enfin, comme dans l'animé, ou les films qui ne sont que des immenses flashbacks. En gros, on connaît ce personnage avec son bras coupé et sa grosse épée, etc. Comment il en est arrivé là? Retrouvons le plus jeune, en mode chien fou des champs de bataille, jeune mercenaire. Et adepte des grosses épées. Putain, par contre, la fluidité fait quand même plaisir à voir. Ça fait pas mal passer la pilule des graphismes un peu pauvres des Musso, même s'il est pas trop dégueulasse celui-là. Alors, tu as une grosse portée et tu peux taper sur plusieurs ennemis. En frenzy, ça augmente bien tout en fait. On pourra avoir des sub-weapons au fur et à mesure. Alors bon, ce qui est un peu con, c'est que, genre dans le manga, Guts il est fort, mais au début il est pas fort comme ça, il tue pas genre 50 000 personnes. Genre c'est justement sa légende qu'un jour, d'ailleurs c'est dans le manga et c'est trop bien, il finit par tuer plus de 100 personnes. Au cours d'une nuit, mais il se donne à fond, c'est pas là quand il a 16 ans quoi. Il y a des trésors. Le lieutenant, tiens, je t'en foutrais. Comment il a volé? Et me voilà 500 pièces d'or. Et en fait, l'un des trucs. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le. Alors, il y a des choses. Genre, dans le film. Ils explicitent peut-être un peu plus. La condition de Guts. Victime d'un pédophile. Mais. Toujours pas assez. Alors que c'est très charnière. Sur ce qui se passe dans la chair de Guts. Quand lui-même, après, est confronté à sa sexualité. Lorsqu'il grandit. Et si vous pensez que c'est subsidiaire ou c'est de la gratuité, derrière, moi je trouve que c'est dommage parce que justement, l'un des gros concepts de par rapport à la fameuse éclipse qu'on a vu là avec tous les visages à l'infini par terre et donc Griffiths qui viole Casca, c'est bel et bien un écho à ça. Et surtout, d'ailleurs, maintenant, on est bien plus tard dans la série. Je vais pas non plus tout vous spoiler, l'espèce de rage sous-jacente vis-à-vis de la fébrilité, de la fragilité de Guts enfant face à ce gros dégueulasse,
eh bien, il la retrouve dans Casca plus tard, et lui-même en fait perd les pédales et se voit en train de la violer, etc. Et du coup, c'est dommage que les films tournent autour de ce truc-là, alors que justement Berserk va au fond des choses et sans mauvais jeu de mots, lol, c'est même pas drôle. Mais du coup, on parle, et ça, c'est un bon point. Contrairement à Coq de Combat, où je trouve que là, par contre, le viol, c'est plus utilisé comme. Comme un truc pour avoir des cool points, quoi. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Mais oui, j'ai vu la vidéo d'Alt 236 et j'en ai même parlé pas mal avec lui. Mais ouais, non, c'est quelque chose d'hyper important. La sexualité, même déréglée dans Berserk. C'est un des fils rouges les plus importants de Berserk. Defeating enemies and clearing scenarios will earn you experience points. Sans déconner. When you gather NS experience points, your character level will increase and their vitality will restore. What the fuck? Incroyable, j'ai jamais vu ça. When reaching certain level, your action level will increase and you will get access to new attacks. Incroyable. Alors, il y a moyen de faire des oblitérations dans le Frenzy Mode. Tu peux rester appuyé sur triangle pour represser strength and attack. Attaque that pierce. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est attaque de breast. Ah oui, d'accord. C'est qu'en fait, tu débloques des combos et il te dit ce que ça fait de particulier. Normal attaque, death blow. Et pour l'instant, on peut pas faire grand chose. Hein. Parce que là, on est d'accord, hein, si Guts avait vraiment tué autant de gens que ça, il serait plus que légendaire. Hein. Au coup, les batailles, elles sont bien rendues dans les nouveaux films. Et rien à voir avec le manga, où là, t'en prends vraiment plein les mirettes, et c'est un truc de dingo. Ça vaut quoi la série 97? La musique est géniale, le rythme est quand même bien cool. Après, ils font l'impasse sur pas mal de choses que je trouve géniales, comme j'en ai parlé. Notamment Wild. Moi, on m'explique qu'il sert à rien, alors que. Enfin, j'ai eu pas mal de débats sur le méchant Wild dans. Enfin, Wild, hein. C'est comme les gens. C'est comme Shirk, son nom c'est Silk. Enfin, en vrai, son nom c'est une mauvaise traduction de Silk, la soie, quoi. Enfin, c'est une telle évidence. Enfin, bref. C'est pas ça le problème. Ils font l'impasse sur Wild, qui pour moi est un méchant très important parce que c'est avant l'éclipse et pourtant c'est un monstre façon Zot, mais que Guts arrive à affronter. Et du coup, c'est la première fois que Guts arrive à se prouver à lui-même qu'il est capable de tuer un dieu finalement. Et c'est très important pour moi sur le développement de Guts, donc qu'il soit pas dans la série, c'est un problème, mais que je peux concevoir parce qu'ils ont pas, ils ont que 24 épisodes pour raconter 13 volumes, 13 mangas. Mais je trouve que dans le manga, oui, c'est important, quoi. Et justement, c'est d'autant plus cool que Zod intervient parce que dans ce combat. Quoi. Ah oui, attends, faut capturer les enemy base. Ah oui, d'accord, donc là je suis en train de rien foutre. Je suis en train de blablater. Mais le mec se barre! Viens te battre, Quar! Les films, la série 3D ou les mangas? Bah les mangas, hein, les mangas. Mais la BO du manga, la BO de la série télé est très bien pour écouter pendant que tu lis le manga, en vrai. Mais là, les mecs se battent même plus. Et bien si vous avez pas, si vous pouvez pas, je comprends pas.
Suffit de pas de tuer les géants. Là, ça a l'air de se battre. Bon, attendez, j'en ai un peu marre. Oh, ouais. Ah, du coup, ça va avancer. Alors, les B-élites sont récupérés quand tu fais des objectifs spéciaux dans la mission, dans le story mode. Pour chaque B-élite, tu auras une image. Bravo. Ah, et du coup, il y a des indices sur comment avoir gagner des B-élites au début de chaque niveau. Bon, là, vous allez péter le truc, là. Mais du coup, il faut monter sur la tour de siège. En soi, le moteur est bien fait, hein, parce que le framerate bronche absolument pas, quoi. Mais vous êtes 30 contre moi. Regardez, il a déjà tué 316 personnes. Ah, on peut courir en maintenant X, ça c'est très bien. Il faut tuer tous les officiers. Bien sûr, hein, le boss, vous savez déjà qui ce sera le fameux Pazuzu. C'est une référence à Pazuzu, bien sûr. Après, des Musso dégueulasses, des Musso, il y en a des plus dégueulasses. Hein. Mais bon, c'est vraiment un jeu de Jap, quoi. Et du coup, je ne sais absolument pas jusqu'où va ce jeu, parce qu'en fait, moi, ce que j'adore avec le jeu PS2, c'est que très tôt, le truc est allé tacler dans la finalité du manga. Ils sont là en mode genre, allez, on adapte, avec en plus des cinématiques 3D de toute beauté. Hein, le jeu PS2 est vraiment une perle. Rien que pour ça. Non, je parle en termes de fanservice, parce que c'est pas le meilleur jeu de la PS2 non plus. Mais notamment, le combat contre Zod sur le cimetière des épées, c'est une tuerie. Hein. Ne me faites pas dire le contraire. Mais les grosses couilles de ce jeu PS2, c'est d'adapter visuellement et de donner vie à des chapitres que les mecs ils ont mis 100 ans à essayer de toucher en animé et ils se sont totalement foirés. Et le jeu le fait mieux. Parce que du coup, le jeu au moins il a le mérite de reprendre assez tard finalement dans le manga. Menzai, tu vas jusqu'au bateau si je me souviens bien. Dans ce jeu là, dans le Musso, putain, mais il doit durer 1000 ans alors! Parce que le bateau c'est au moins volume 30, sinon 35. Mais du coup, il y a la fin avec l'empereur Kushan et tout qui se transforme ou... Oh là là, il est vraiment, par contre, Berserk, hein, c'est une œuvre. Alors après, voilà, autant Ken me parle vraiment au cœur parce que... voilà, parce que moi, j'ai des frères. Ça explore beaucoup plus des thèmes qui sont encore plus proches de moi. Ken, mais là, ça se trouve, là, si je me refais un petit marathon Berserk, parce que j'ai tous les volumes... je serais là genre non mais Berserk c'est vraiment l'œuvre parfaite, c'est génial, etc. Donc en vrai je peux pas décider. Mais c'est une œuvre d'une richesse absolument infinie et abyssale, et c'est en plus quasiment créateur d'un sous-genre. On va dire que Berserk est quand même un peu plus subtil. Enfin, c'est con de dire ça, parce que là je joue un putain de Musso, et du coup c'est genre le jeu bête et méchant.
Mais sans rire. Oh, comment j'ai volé. Tiens. Ils ont bien animé quand même le style de combat de Guts, hein. Je suis assez content. Franchement, pour 10 balles, hein, je vais pas me... Attends, mais la catapulte, il suffit de la taper, quoi. Ah oui, d'accord, la catapulte, genre, si je m'acharne contre sa roulette, c'est bon, quoi. Ça a bien bugué du cul. Attends, mais en fait, après c'est des jeux de détente, hein, les Musso, etc. Quoi. Faut pas non plus les prendre trop en mode hardcore, mais j'avoue que j'aimerais bien être tendu. Parce que dans Berserk, il y a quand même toujours cette truc de mort imminente, et là tu te sens surpuissant. Alors que franchement, un harangue, voilà. Merci Scoo. En vrai, un petit Bloodborne version Berserk, ça me ferait infiniment plus kiffer, où t'es... En mode chevalier noir, un cycle jour-nuit, la journée tu parles à des gens, le soir il y a plein de monstres et tout, du coup tu ramasses de l'XP, tout ça. Et surtout, quand tu rencontres un apôtre, ça fait un espèce de combat de boss, t'en chies des bulles, etc. Ça serait bien, quoi. Merci Krigmaster. Tu fais un truc comme quoi, genre dans cet arc-là, tu rencontres une fée qui te permet de reset quoi, et de mourir à l'infini, et puis c'est parti, quoi. La jauge de morale représente tous les Musso. Bref, si tu gagnes, tout le monde est fort. En même temps, s'il y a un mec qui a déjà tué 625 personnes, c'est-à-dire plus que la mort noire finlandaise, le plus grand sniper de l'histoire, en 10 minutes, effectivement... Oh, par contre, putain, mais j'aurais préféré 100 fois voir les graphismes du jeu, parce que là, repasser à 20 FPS... Alors, par contre, donc le film en 3D... Il a plein de problèmes. Il est pas laid parce que vraiment les décors sont magnifiques, etc. Les zik, les voix sont cool. Mais souvent le 12 FPS est mal utilisé, quoi. Parce que en fait le fait de faire de l'animation 3D et d'utiliser les ellipses pour en fait faire de la fausse animation 2D en ralentissant en sautant des images, etc. C'est une chose. Mais si tu fais ça de façon bête et méchant, tu te retrouves juste avec un effet comme quoi l'animation est bel et bien saccadée, alors que le but de l'animation, c'est de rendre quelque chose vivant à part avec 12 images par seconde. 24 quand c'est du luxe, quoi, quand c'est Disney par exemple. Et donc, ça, tu vois bien que, comment il s'appelle les gars qui ont fait Guilty Gear, Arc System, ça, ils savent très bien le faire. Et par exemple là j'ai vu le Blame qui est pas mal rendu, hein, finalement. Franchement j'ai bien kiffé le film Blame là pendant que j'étais malade. Il utilise assez intelligemment cette animation elliptique. Le chef-d'œuvre là-dedans, hein, c'est le Spider-Man Into the Spider-Verse qui est sorti là, où l'animation elliptique est vraiment juste géniale. Mais parce qu'en fait c'est juste que du coup il faut repenser ton... faut plus penser ton animation comme d'animation 3D, faut penser ton animation comme d'animation 2D, et du coup faire des mouvements exagérés, bien travailler, bien penser tes poses clés pour avoir du 12 images par seconde qui paraît fluide et cohérent. Parce que du coup si tu fais juste ton animation comme c'était de la 3D à 60 fps et que tu passes à 12 fps pour faire style un peu manga, bah ça rend pas bien. Après le problème des Musso, c'est qu'ils sont tellement tous copier-collés que ça... Musso c'est presque les figurines pop du jeu vidéo, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Toutes les licences ont leur Musso, ils se jouent tous pareil, tu fais le tour en 2 secondes, peut-être que ça te détend de l'avoir et puis de mâcher le bouton, mais en vrai c'est pas très excitant, quoi. Regarde, la boucle de gameplay, elle est déjà saignée, quoi. Alors certes, il y a plein de personnages, etc. Mais c'est vraiment des jeux de complexionnistes qui aiment mâcher les boutons, etc. Et même augmenter la difficulté me donnera pas envie de plus, quoi. Et je sais que Bob, il adore ça. Mais parce que Bob,
il a ce côté j'aime les trucs répétitifs et qui sont genre pas non plus de l'autisme tu vois, mais c'est genre c'est le côté un peu mongolisé sur un jeu lui c'est pas quelque chose qui le dérange quoi. Parce qu'il y a un côté addictif bien sûr hein. Moi j'ai besoin d'être un peu plus investi quoi. Parce que là j'ai l'impression que je peux littéralement lire le chat tout en jouant quoi. Et par exemple, je sais, tu vois, j'avais acheté le Dragon Quest Musso, qui est excellentissime pour un Musso, mais malheureusement, c'est un Musso. Voilà, et il y a Pazozo qui est là. Ça va pas être Jojo, Pazozo. Allez, Pazozo, quoi. Normalement, c'est un combat à main nue. Alors du coup, il faut faire un petit quick step. You can dodge powerful enemy attacks by pressing X to quick step. You can also use quick step after an attack to decrease the wait time between attacks and continue your combo. For example, pressing. Triangle, croix, croix, carré, rond, 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 et triangle. Triangle, croix, triangle. Bon là du coup, voilà, maintenant lui, il faut un peu plus se battre. Le mec se prend 5 coups d'épée. Bon, c'est assez anticlimactique la mise en scène de Pazozo là. Ta gueule, Corcus, t'es vraiment un fils de pute. De toute façon, Corcus, frame 1, il fait en sorte qu'un de ses potes meurt, quoi. En plus, c'est le roi des rabat-joie, quoi. Merde, j'ai pas vu que j'avais mon truc. Ah oui, ça fait mal quand même. Ah, le Pippin, c'était le meilleur. Ah, au moins, c'est pas l'extrait du dessin animé, quoi. Oh, Corcus, c'est un connard de bout en bout. Hein. Bah, c'est le pote chiant du groupe. Hein, Non, mais Judo, bien sûr, c'est le best gars. C'est gagné! Bref. Berserk, The Ben of the Hawk. C'est du Musso. Voilà, c'est du... C'est un petit peu comme un Musso au vinaigre, c'est le plat traditionnel, on s'attend pas à grand chose de plus. Meilleure garde, meilleure d'attaque, meilleure défense. Attaque-défense. Bon. J'ai débloqué un bout d'image, incroyable. Et un autre extrait d'un film qui est sur Netflix. Et maintenant, je peux jouer en free. Et j'ai aussi le mode Eclipse Infini. Ah, ils remettent quand même en scène ça plutôt que... The Golden Age. Et du coup, dans le prochain épisode, Guts se fera attaquer par un Corcus vraiment très chiant. Mais à part l'anime, tu penses quoi des trois films Benzaï? Bah ils sont bien, c'est des bonnes introductions. En soi, ils sont bien menés. Ils sont assez suffisamment denses pour pas que tu t'emmerdes devant. Donc c'est cool. Mais les amis, nous avons beaucoup de jeux PlayStation à tester. Je vous dis à tout de suite sur Benzaï Live. De toute façon, on pourrait jouer 100 heures à ce jeu-là, ce serait toujours